Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ vienne ressusciter ceux qui continuent morts dans leurs délits et péchés et soutenir ceux qui se maintiennent fermes, ceux qui sont en train d'affronter des luttes, des tribulations, des angoisses, que le Saint-Esprit vienne vous diriger, vous guider, pour que vous ne tombiez pas en tentation, pour que vous ne vous laissiez pas entraîner par les circonstances. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Ceux qui sont sur le chemin du salut, qu'ils soient sauvés, confirmés, qu'ils soient fermes dans la foi. Ceux qui sont déjà, qu'ils continuent à se maintenir dans la foi pour vivre de foi en foi. Ceux qui ne le sont pas et qui sont à la recherche du salut, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont malades, infirmes, non infirme dans l'âme, mais dans le corps, qu'il soit guéri maintenant, délivré maintenant. Où que vous soyez, quelle que soit l'infirmité qui vous tourmente, qui tourmente votre corps, soyez guéri. Croyez-vous en cela? Vous croyez qu'au nom du Seigneur Jésus, vous êtes guéri? Bien, Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier et prêcher l'évangile, la parole de Dieu à toute la créature. Qui croit et sera baptisé sera sauvé. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui croient. Quels sont les signes qui accompagnent ceux qui croient? Ils seront guéris. Vous serez guéris. Vous croyez en cela? Alors soyez guéris de cette malédiction qui est dans votre corps, parce que je sais, j'ai la certitude que c'est la volonté de Dieu pour nous tous, que le Saint-Esprit illumine chacun. Maintenant, hier nous parlions de la prière, n'est-ce pas? Que la prière nous approche de Dieu. Votre prière vous approche de Dieu, parce que vous vous lié à lui, vous liez votre pensée à quelqu'un que vous ne voyez pas, ne touchez pas, ne sentez pas, mais il y a la certitude qu'il existe. Il y a la certitude en vous qu'il existe. Donc vous priez parce que vous croyez, parce que si vous ne priez pas, vous ne seriez pas en train de croire, mais vous priez à cette personne que vous ne touchez pas, sentez pas, voyez pas. Vous croyez qu'il existe et lui qui est rémunérateur, qui bénit ceux qui le recherchent, certainement va écouter votre prière. Laissez-moi compléter ou plutôt donner séquence à ce thème de la prière. Jésus nous enseigne la prière. Beaucoup de personnes disent, évêque, que vais-je prier? Que vais-je dire à Dieu? Elles ont beaucoup de choses à demander à beaucoup de gens. Mais lorsque l'on parle de parler à Dieu, de demander à Dieu, de prier Dieu, elles restent sans mots. Faites attention. Je vais vous parler, je vais vous donner ce que je pratique. Au fil de ces années, de nombreuses années, je me suis affermi dans la prière que Jésus nous enseigne à faire. Parce que cette prière du Notre Père est complète. Elle est complète, elle est parfaite. C'est la prière qui, si elle est faite avec sincérité, si elle est faite avec foi, si elle est faite en accord avec ce qui est écrit, cette prière va vous amener non seulement
la fermeté dans votre foi, mais va vous faire prendre possession des bénédictions de Dieu et va vous faire maintenir ces bénédictions dans votre vie. Et aussi, va vous faire vaincre le mal. Voyez ce que Jésus a dit. Voici donc comment vous devez prier. Deux points, faites attention. Notre Père qui es aux cieux. Première chose. Vous vous adressez au Père éternel, au premier et au dernier. Vous vous adressez à quelqu'un d'invisible, intouchable, que vous ne sentez pas. Mais il est le Père. Il est celui qui engendre toutes les choses. Donc, lorsque vous vous adressez à notre Père, vous vous adressez uniquement et exclusivement au Dieu Père, au nom du Dieu Fils, dirigé par l'Esprit de Dieu. Vous priez au Dieu Père, au nom du Dieu Fils, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, au Dieu Esprit. Donc il dit, première demande, que ton nom soit sanctifié. C'est la première demande. Jésus ne dit pas « glorifié soit ton nom, loué soit ton nom ». Non, que ton nom soit sanctifié. Dans mon cas, je dis que ton nom soit sanctifié dans ma vie, dans la vie de tous tes serviteurs, tout ton peuple. Qu'est-ce qu'est être sanctifié? Dieu, plus que tout, veut que nous soyons des témoins vivants de lui ici sur terre. Jésus a ressuscité et a dit, j'enverrai un autre esprit, un autre consolateur qui sera toujours avec vous. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous sanctifie le nom de Jésus, c'est-à-dire rend témoignage que le Dieu que nous ne voyons pas, ne sentons pas, ne touchons pas, existe. Parce que vous pouvez dire à la personne qui est devant vous, qui souffre, qui gémit, qui vit dans le péché, vous pouvez dire, il y a des personnes qui disent, je ne crois pas en Dieu, je ne vois pas, je ne sens pas, je ne touche pas, regardez ma vie, regardez-moi, regardez ma vie, mon caractère, ma manière d'être, de vivre. En regardant ma vie, vous allez voir Dieu. C'est cela. Lorsque vous sanctifiez le nom du Seigneur Jésus, les personnes voient Jésus en vous. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Si je ne me trompe pas, il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et il a dit, Philippe, ah, c'est Philippe qui a parlé, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Père. Qui voit le Fils, voit le Père. Qui voit le Fils, voit le Père. Ainsi, dans ce monde, si vous voyez un fils rebelle, cruel, mauvais, un fils désordonné, qui vit dans l'injustice, vous dites, c'est le fils de qui, hein? C'est le fils de qui? De tel âge, je savais. Ah, tel père, tel fils. Tel fils, tel père. Jésus veut être glorifié, sanctifié. Par-dessus tout, à travers notre comportement, à travers notre caractère. Mais cela n'est possible que si la personne a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, comment allons-nous être l'image de Dieu dans ce monde? Donc, la première chose que Jésus nous enseigne à demander, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Qui prie,
Le Notre Père dit que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Voyez. Deuxième demande. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que le Seigneur vienne régner dans ma vie, dans mes pensées, mes sentiments, mon corps. Fais de mon corps ta demeure et dirige-moi selon ta volonté, qui est autre chose. La deuxième chose la plus importante, d'abord, il veut être sanctifié dans votre vie. Ensuite, il veut faire sa volonté à travers votre vie. En troisième, il demande « Donne-nous » ou plutôt, il dit « Que ton nom soit sanctifié » première demande. Deuxièmement, « Que ton règne vienne » troisièmement, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » c'est-à-dire que ta volonté soit faite dans ma vie, sur terre, comme elle est faite au ciel. Trois demandes. Les premières demandes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Trois choses extrêmement importantes. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton règne vienne, Jésus, Dieu Fils, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ici, dans ces trois demandes, identifiés. Ils sont identifiés. D'abord, que le nom du Père soit sanctifié, ensuite vient le règne du Fils. Troisièmement, que le Saint-Esprit fasse de votre vie ce que son Fils Jésus a fait sur terre, qu'il donne sa vie complète, l'œuvre dans votre vie. Donc trois demandes que vous devez faire. Je fais cette prière, ce n'est pas répétant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Non, ce n'est pas comme anciennement je faisais à « Ave Marie ». Pleine de grâce. Non. Notre Père qui es au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. La prière à Dieu, au Suprême, au Très-Haut, vous la faites de manière consciente. Donc, lorsque je prie en pensant. Je m'imagine devant son trône, mon Père. Ou notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je veux que ma vie sanctifie ton nom, que les autres te voient dans ma vie. D'abord. Ensuite, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans la vie de tous ceux que nous atteignons. Que ton règne vienne dans la vie de tous ceux que nous atteignons ou qui nous atteignent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, Fils, a fait la volonté du Père jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc, quand la personne a ce propos de sanctifier le nom du Seigneur Jésus, prier, demander que son règne vienne, se faire présent dans sa vie, et que sa volonté soit faite, alors, dans ces trois premières demandes, la personne a déjà réellement, si réellement elle prie, mettant toute sa force dans ses mots, elle a l'assurance, le Saint-Esprit lui donne l'assurance que sa prière est en train d'être entendue
parce que c'est en accord avec sa volonté. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Donc, c'est un secret, mes amis. Vous avez déjà été sauvés, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. Vous voulez continuer ferme dans la foi jusqu'à la fin. Priez le Notre Père tous les jours. Je fais cela le matin et je le fais le soir. En plus des autres prières que je fais normalement. Ça, j'en parlerai un autre jour, de la prière sans cesser. Là, oui, après avoir demandé au Père pour que son nom soit sanctifié dans ma vie, pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Imaginez, là, sa volonté sur terre en accord avec ce qu'elle est faite dans, au ciel, c'est très fort. Donc, là, oui, vous mettez le besoin quotidien. Donne-nous aujourd'hui. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Je ne vais pas demander pour demain, ni après-demain. Seigneur, demain, j'ai un problème. Non. Notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quel est-il, nos besoins? Quels sont vos besoins? Je ne sais pas. Mais lorsque vous dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Seigneur, il va pourvoir à votre besoin physique, il va pourvoir à votre besoin spirituel, selon sa volonté, au jour d'aujourd'hui. Donc il va répondre à vos besoins que votre corps, votre âme, votre esprit ont besoin, au jour d'aujourd'hui. Et alors il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, vous vous délivrez des péchés que vous avez commis consciemment ou inconsciemment. Vous vous libérez parce que vous demandez, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait d'erroné. Lave-moi, purifie-moi. Tout comme je pardonne aussi ceux qui ont fait quelque chose contre moi. C'est-à-dire, vous demandez au Père qu'il vous pardonne selon vous avez pardonné ceux qui vous ont offensé. C'est-à-dire, vous devez maintenir le pardon à jour. Vous ne pouvez pas devoir. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus a dit, si quelqu'un pêche contre toi, t'offense sept fois, alors pardonne sept fois par jour. C'est ce que Pierre a demandé. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Sept fois. Il a dit non, 70 fois 7. 490 fois, nous devons pardonner quotidiennement si nous avons été offensés par la même personne. Alors, nous devons pardonner indéfiniment. Donc, mes amis, c'est un secret pour maintenir votre salut à jour. Votre conscience pure, mon Dieu, je te rends grâce. Parce que j'aurai le pain quotidien aujourd'hui, j'aurai le pardon ou j'ai ton pardon, tout comme j'offre mon pardon. Et je me sens en paix. Ensuite, vous priez, vous utilisez la prière avec comme un outil d'entretien de votre salut. Vous priez le Notre Père pour conquérir le pain quotidien et vous priez pour que votre conscience soit également lavée, purifiée. Et aussi, il dit, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation.
qui a conduit Jésus à la tentation, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable. Jésus a été mené vers le désert par le Saint-Esprit. Donc Jésus dit ici, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. C'est une demande. C'est-à-dire, vous vous protégez avec la prière du Notre Père. Garde-moi, Seigneur, de tomber en tentation, d'autres mots. Délivre-moi de tomber en tentation. Et finalement, il dit, mais délivre-nous du malin. Le malin ici, c'est le diable et tout ce qu'il fait. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Chaque jour, le matin, le soir, je fais cette prière. Et ça marche, parce que grâce à Dieu, il m'a gardé, protégé, etc., etc., etc. Et finalement, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. C'est-à-dire, le Seigneur peut toutes les choses. Seul le Seigneur est digne de toute louange, adoration. Donc, mes amis, le Notre Père, ce n'est pas Notre Père qui est aux cieux, blablabla. Non, vous priez consciemment, vous mettez de l'esprit, vous mettez votre âme dans cette prière, dans chaque mot. Vous pouvez être sûr que votre jour sera protégé, vous serez gardé de tout le mal. Vous aurez le pain quotidien, vous aurez votre conscience lavée, la tentation viendra, mais vous n'allez pas tomber en tentation, vous serez gardé, protégé, bref, faites cela. Priez le Notre Père chaque jour, chaque jour. Chaque jour, mais priez. Priez, ce n'est pas répéter des mots. Ce n'est pas juste parler ce qui est écrit, non. C'est parler et mettre l'âme, la conscience, toute la force dans cette prière. D'accord? Bien, nous en restons là. Aujourd'hui, jeudi, c'est le jour de la thérapie de l'amour. Si vous voulez apprendre à être aimé, vous voulez apprendre comment être aimé, je veux savoir comment être aimé, car je ne sais pas. D'abord, vous devez apprendre à aimer. La thérapie de l'amour parle de ce sujet, de cet aspect. Avant de semer, vous devez apprendre à semer. Avant de donner, vous devez apprendre à donner. Parce que si vous ne savez pas donner, vous n'allez pas savoir recevoir. Qui donne, reçoit. Qui offre, qui donne son offrande, de n'importe quelle manière, ne fait pas ce qui est correct. Vous devez apprendre à donner pour pouvoir recevoir. La thérapie de l'amour aujourd'hui, à 20h, au Temple de Salomon et dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. Les couples de pasteurs bien mariés qui ont un exemple de vie matrimoniale, conjugale, peuvent parler, vous enseigner. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.